Allez, ma puce, allez. Oui. L'or à l'arrivée. L'or olympique, le seul titre qui manquait à son incroyable palmarès. La catalane Cécile Hernandez peut bien s'effondrer, submergée par l'émotion. Elle a été sacrée ce matin en snowboard cross, en devançant une Canadienne et une Américaine à 47 ans. Je m'en fous complet de l'âge et la preuve, ça pourrait être mes filles ou presque mes petites filles. Il y avait des chinoises de 16 ans. Mais voilà, on s'en fout. C'est tout ce que je voulais, c'était aller chercher cette médaille. La consécration pour celle qui s'est tant battue. Atteinte de sclérose en plaques, elle a cru être privée de ses troisièmes Jeux après la suppression de sa catégorie de handicap par le Comité international paralympique. Mais elle a fini par gagner, d'abord son combat judiciaire, lui permettant de s'aligner quelques jours seulement avant les Jeux, puis la course de ce matin. Cela valait bien quelques larmes. Ça a été tellement de choses, tellement de sacrifices. Et voilà, c'est des messages aussi pour ma famille, parce que je suis pas souvent chez moi. Et ma fille, ça fait 8 ans que je suis tout le temps à travers le monde et que je la vois pas forcément grandir, mais on arrive à faire les devoirs à distance. Moi, je suis une passionnée, je suis une battante et je le fais dans tout ce que je fais, en fait. Incroyable bonheur pour celle qui défend les couleurs de la station des Angles où elle effectue toute sa préparation. Et ce n'est pas terminé. Cécile entend bien aller chercher une autre médaille lors d'une nouvelle épreuve vendredi et samedi prochain.